Good morning, allez, Iden, les suisses, aujourd'hui, les Lonishmat, Mori, Rabbi Shmuel, Ben Shlomo, Zalman, Nissim, Ben Ahuda, Sarah, Batrana, Rachel, Shlomo, Ben Esther, Richa, Batrim, Nechemia, ainsi que les Refouat, Avraham, Mori, Ben Rout, Motor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider les prochaines études de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet Zevachim, Perek, Zain, Mishnah, Bet, Ola, Taof, Shasa, Le Maala, Kemase, Ola, Le Shem, Ola, Kshera, Kemase, Ola, לשם חטאת כשרה ובלבד שלא עלתה לבעלים. כמעשה חטאת לשם עולה, כמעשה חטאת לשם חטאת פסולה, עשה למטה כמעשה כולם פסולה. משנה לנובו, מה פרסיפ כל המשנה הפרסדנט? או סנס סמפל, אלה תרי סמפל. דקו קומנס לפוויני אמטיפה דן, או אליס כי הפלוזיור אינטרוגציון, כי בפלואר אינטרפרטה, אינטרי דן לקומפלקסיטה. Ça va faire l'objet des méfarchim. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord la présenter le plus simplement possible, et après rapporter un petit peu de, donner un petit peu d'allure avec un petit peu de Barthénora ou Tiferet Israël, comme ce qu'on va expliquer. Tout d'abord, on rappelle la Khatataof et la Olataof, il faut les connaître par cœur. Khatataof, on la fait au sol, dans le coin sud-ouest. On sectionne, on fait la Melika, on sectionne un seul des deux simanim, on asperge le sang, c'est-à-dire une fois qu'on a ouvert un petit peu la volaille, le pigeon, la tourterelle, donc elle est à moitié ouverte, on la prend telle qu'elle, on lui ouvre un petit peu la tête, et on asperge sans séparer la tête. On asperge comme ça, et puis après on verse tout le sang sur le misbar, et ensuite on la donne à manger au kohanim. À la différence de la olataof, qu'il fallait monter sur la rampe pour la faire en haut, dans le coin sud-est. Et le kohen sectionne complètement la tête, il coupe les deux simanim, il la déconnecte, il prend un petit peu de bord la tête avec le peu de sang qu'il y a, il la pose il met un petit peu sur le coin du misbéar comme ça, il fait comme ça le sang de la tête, il est aussi arrivé sur le misbéar, il met du sel, il jette au feu, il prend tout le corps maintenant, il asperge pas, mais il presse uniquement, il la plaque contre le mur, il l'écrase, comme ça ça fait couler tout le sang, et puis ensuite il prend du sel, il met sur la hola, et il la jette dans le feu, elle est entièrement consumée par le misbéar en fait. D'accord ? La Mishnah maintenant m'enseigne. Olataof, s'il avait une Olataof, une volaille, tourterelle, pigeon, qu'il a voulu offrir en Ola, en holocauste. Shasa le mala, il est monté sur le misbéar, il l'a faite en haut, comme il se doit. Kemase Ola, comme le rituel de la Ola le requiert, c'est-à-dire de sectionner les deux simanim, et de presser le sang. Et ensuite, et en plus de ça, il a fait l'échem Ola, au nom de la Ola. Eh bien, la Mishnah m'enseigne. Sache que le korban il sera kasher. D'où la lourdeur, quelque part, de cette phrase. Là, tu viens me dire, tu sais, la Torah, elle t'a donné plein de halakhot pour faire une ola. Eh bien, si tu l'as fait, sache que c'est kasher. Bravo. Vraiment. Sinon, quoi que tu veux. D'accord, c'est la complexité de cette Mishnah à comprendre qu'est-ce que c'est venu faire. Pour le moment, on va rester avec, je crois que c'est Tosot qui propose ce pirouche. Non. Je sais pas, en tout cas, bon, pour le moment, on va dire que c'était une manière d'introduire la suite de la Mishnah, d'accord ? Après, on essayera de donner un petit peu plus d'allure. Ensuite, Kemaase Ola, Leshem Khatat, Kshera, Bilvad Shalalta la Be'alim. Si toutefois, il est monté sur le Misbéach, il a fait comme il se doit, mais le Kohen, il avait dans la tête qu'il est en ce moment en train de faire un Korban Khatat. Il a fait au nom d'un Khatat. Il a fait soit la Melika au nom d'un Khatat, soit il a jeté au feu au nom d'un Khatat. Alors, la Mishnah, vous connaissez la règle. C'était la première Mishnah de Zvachim qu'on a revue déjà plusieurs fois sous plusieurs angles. C'est la même règle. Tous les korbanot, à l'exception du Khatat et de la Ola, tous les korbanot, du Khatat et du Korban Pesach, tous les korbanot que tu fais au nom d'un autre korban, eh ben le korban, il sera kasher. On pourra soit le consommer. Le consommer par les Kohanim, soit on continuera à l'apporter sur le Misbéar comme il se doit, sauf que le propriétaire ne s'est pas acquitté de son devoir d'apporter un korban. De ce fait, si tu as fait la Ola au nom d'un Khatat, alors la Ola elle est Kshera, ça veut dire que tu peux ensuite continuer à faire la Vodot et la donner sur le Misbéar. Cependant, lo ala la Be'alim le Shem Chova. D'accord ? C'est clair ? Donc c'est ce qui est écrit ici dans la Mishnah, Kemaase Ola, le Shem Khatat, il a fait comme le rituel de la Ola, mais le Shem Khatat, au nom d'une Khatat, le Korban il est kasher, sauf que, au bilan de Shalalta la Be'alim, le propriétaire ne s'est pas acquitté de son devoir d'apporter le Korban. Ensuite la Mishnah continue et me dit, Kemaase Khatat, le Shem Ola, si toutefois,
il a procédé comme le rituel de la Khatat au nom de la Ola. D'accord ? C'est-à-dire, comment ça se présente ? Il a fait Kemaase Khatat, alors on va expliquer, on va suivre le Sifrat Israël, c'est plus facile. Kemaase Khatat Leshem Ola. Il a procédé comme le rituel de la Khatat, c'est-à-dire qu'il ne lui a pas sectionné les deux conduits, la trachée artère et l'œsophage. Juste un seul des deux. Et encore, même par exemple, il a aspergé de son sang en aspergeant, en le jetant comme ça, au lieu de le presser uniquement. Donc il a procédé comme une khatat, l'échem ola, au nom d'une ola. D'accord ? Donc il a fait la ola, au nom de la ola, mais il a mal procédé. Eh bien, il y a une halakha particulière, que le korban il n'est pas saoul, c'était comme ce qu'on apprenait dans Perek Vav, Mishnah Vav, qu'on avait vu que Yvdil, désolé, vraiment, j'essaye de ne pas bailler en public, mais c'est plus fort que moi. En tout cas, donc on avait vu là-bas Yvdil, Bachatat Vlo Yvdil, Baola, Psula, que c'était la règle qui avait marqué dans la Mishnah là-bas. Donc si Laola, il n'a pas sectionné, il a mal fait la Melika et il ne s'est pas acquitté de sa mitzvah. C'est que la Mishnah enseigne qu'il n'est pas saoul. Idem encore, à plus forte raison même, s'il a fait Kemaase Khatat, Leshem Khatat, il a procédé comme un Khatat, donc sans sectionner, en le faisant en plus de ça au nom d'un Khatat. Alors là, il a fait deux catastrophes, le gars. Et bien, c'est pour ça que le Korban, il est entièrement pas saoul, invalide totalement. Ok ? Et on continue avec la suite de la Mishnah qui nous dit par contre. Asa'a les mata kemaase kulam psula. Si par contre il a fait en bas du misber kemaase kulam, comme toutes les autres actions, comme c'est difficile à lire tout chaque mot, on va traduire grossièrement en mentant un petit peu, histoire de donner le vrai pshat de la Mishnah, tel que c'est interprété par le Tiferet d'Israël de nouveau. S'il a fait en bas du misber kemaase kulam psula, comme tous les cas de la Mishnah, le Korban ne sera pas saoul. Le Tiferet Israël rajoute quand même quelque chose d'intéressant, comme dans la Mishnah précédente de nouveau, qu'il a fait en fait, il a fait en bas, s'il a fait même au nom d'une Ola, en faisant comme une Ola, en sectionnant la tête, et en versant le sang sur le misbéach, comme il voulait le faire, comme il fallait le faire en théorie, et la Mishnah enseigne que c'est pas saoul, certes, le Korban il est devenu pas saoul, il ne pourra plus ensuite continuer à le faire, à l'offrir, mais malgré tout, le propriétaire s'est acquitté de sa mitzvah, d'accord, d'apporter un Korban Ola. D'accord ? C'est selon une règle qu'il faut savoir, qu'on a déjà évoquée dans la mishnah précédente, à chaque fois qu'on va faire un korban, qu'il y a des halakhot particulières, comme asperger le sang en bas du misbéach, en haut du misbéach, sur les quatre coins, si on a apporté le sang au misbéach, pas comme il se doit, on l'a mis là où il ne fallait pas, là où il fallait pas le mettre, il fallait le mettre ailleurs, on sait quand même, le propriétaire s'est acquitté de son devoir, sauf que le korban, ouais, il avait un devoir d'apporter un korban khatat, il a apporté le korban khatat. Il n'aura pas besoin d'apporter un autre korban, sauf que le korban, il a été invalidé par les kohanim, il a été mal fait, de ce fait, il ne sera plus consommé, il ne sera plus jeté sur le misbéach, il ne sera plus consumé sur le misbéach. Mais malgré tout, le propriétaire s'est quand même acquitté de son devoir. C'est ce que le Tiferet Israël nous expliquait dans la Mishnah précédente, vous regardez le cours d'avant si vous ne vous en souvenez pas. C'est pour ça qu'on a séparé en deux cas de psula et psula. Le premier psoul qui a marqué lorsqu'il a fait Kema Sechatat, alors il ne s'est pas quitté de son devoir du tout. La Torah a donné à la Chod, bien précise comment faire la Melika. Pour la Ola, tu dois sectionner les deux. Si tu n'as sectionné qu'un seul, tu ne t'es pas acquitté. Tu devras apporter un autre korban. Par contre, lorsque le Kohen a sectionné les deux, mais qu'il a mal donné le sang, il l'a donné dans un mauvais endroit, alors on s'est quand même acquitté de son devoir d'apporter un korban Ola. On n'aura pas besoin de rapporter un deuxième korban. D'accord ? Je reviens maintenant sur une petite précision sur le début de la Mishnah, où on avait vu qu'on parlait d'une Ola Ta'of, qu'il a fait comme une Ola, au nom d'une Ola, que c'est Kacher. Ouais ? On avait dit que c'était très étonnant, ça n'avait pas tellement d'allure. C'est-à-dire quoi ? C'est évident, c'est une évidence, que si la Torah te dit de le faire, ben, tu l'as fait, donc tu t'es acquitté de ton devoir. Le Barthénora, c'est en réalité depuis la Mishnah précédente, mais je ne l'ai pas dit, mais maintenant vous êtes capable de comprendre la suite, le Barthénora fait une grande complexité. Il explique qu'en réalité, quand il a fait Kemaase Ola, Leshem Ola, regardez, il dit dans les mots, Afalpi Shishina Bemlikata Vel Shelo Yvdil. Kemaase Ola, Leshem Ola, c'est qu'en fait, il a fait la Melika comme une Khatat. Il a coupé un seul Siman. Et là, il y aura écrit dans la Mishnah que c'est Kacher, ça va selon un seul avis. C'est pas comme dans la Mishnah de Perek Vav, Mishnah Vav.
Et de ce fait, suite à ça, le Bartanora, il va faire un effet de boule de neige dans la Mishnah, que la Mishnah va prendre toute une autre allure. D'accord ? J'avais quand même un devoir d'être fidèle au Bartanora. Donc je vous l'ai dit, franchement, ça devient très compliqué. Le Tosfot Yom Tov lui-même peine beaucoup ensuite à poser plusieurs questions. Il y a le Bartanora, il y a toutefois le Tiferet Israël qui proposait quelque chose d'autre pour nous dire chez Asaha, Ola Taof Shasa, les Mala Kemase, Ola, les Shem Ola. Comme le rituel de la Ola, au nom de la Ola, il est juste venu nous dire, le Tiferet Israël a rajouté, quand elle était, même si au milieu il a même aspergé le sang par exemple, il a fait une petite déviation par rapport à ce qu'il fallait. On t'avait dit de sectionner la tête, de mettre du sel, de la jeter, de verser tout le sang, de presser tout le sang, et après de jeter au feu le reste du pigeon. Ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a aspergé. Alors le Tzifrezer vient nous dire, et bien la Mishnah, c'est de ça qu'elle est venue te parler. Elle t'a dit, sache que puisque tu as fait tout le rituel de la Ola, même si au milieu tu as fait des petites erreurs, c'est pas grave. Tu as fait ce qu'il fallait pas faire. Mais en tout cas, ce qu'il fallait faire, tu l'as aussi fait. Dans la mesure où tu as fait ce que tu devais faire, de toute façon, tu t'es acquitté de ton devoir d'apporter une Ola Taof. D'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov. Salam.